bidule marche super bien. Si dur. Ah.
c'est parti. Des tempêtes. Venez me voir le plus vite possible.
James, nous sommes sur la bonne voie, je le sens. J'ai pu trianguler les vecteurs d'approche d'une douzaine de tempêtes, et je crois avoir déterminé leur point de départ. Et nous avions raison à propos des acrites de tempête. Tout prouve qu'ils comportent cette TN pure. Ok. Mais Doc, je dois vous dire que... Braddock ne dirige plus Coronis. Les militaires de Nevec ont joué la carte de la hiérarchie et ils l'ont viré. Je le sens pas, le nouveau commandant. J'ignore ce qu'il sait, mais il vous recherche. Vous devriez dégager d'ici.
Je connais un endroit où vous serez en sécurité. James, vous exagérez un peu. Nous sommes sur le point de décrocher le jackpot. Grâce à cela, nous aurons enfin les cartes en main, vous comprenez? Allez, faites-moi confiance. Je me frotte à Neuvec depuis un bon paquet d'années. Il n'y a pas de meilleure assurance que d'avoir ce qu'ils veulent, et d'avoir une monnaie d'échange. Je ferai attention, c'est promis. Bon, j'ai bricolé des échantillonneurs de résonance souterraine. Bonnie, je m'approche de l'endroit où le signal s'est arrêté. Vous me recevez toujours ? Merde, c'est ce que je craignais. C'est toujours impossible de communiquer au-delà du pic de Shaq. Je vous raconterai tout une fois de retour. Payton terminé.
Bon, c'est quoi ce truc? Bon, où ça va ce truc? Écoutez, je suis désolé d'avoir foiré en dehors des limites ou je sais pas quoi. Mais comment je peux vous aider si vous ne m'expliquez rien? C'est quoi cet endroit? Ce n'est pas un endroit. C'est Nushi. Nushi? C'est comme ça que Soichi l'a baptisé. Ça veut dire... Léviathan divin. La source de l'ATN pure. Non. La planète entière est la source. Nushi purifie et offre à ceux qui acceptent, à ceux qui ne prennent pas. Elle est le moteur, l'organe permettant à toute chose de ce monde d'exister en harmonie. Attends, c'est un harmonisateur? Comme un gros harmonisateur organique? J'en sais rien. La technologie inspirée par Nushi a survécu à tous ceux qui ont connu son secret. Mais tu vas trop vite. On revient en arrière, quand j'ai foré, les Akrid ont attaqué. Un peu comme des anticorps. Et vous le saviez, ça. Vous l'aviez déjà vu. La panique dans la première colonie. J'étais un scientifique pour Nevek. Celui qui a dirigé les foreuses de Nevek dans sa chair. Je savais qu'elle était en vie. Mais aveuglé par mon ambition, je les ai laissés forer. En vie? Comme tout être vivant, elle peut sentir, souffrir et se mettre en colère. Si l'on pique, ne saigne-t-elle pas? Quand la poignarde au cœur, ne meurt-elle pas? Elle devait être protégée. Et j'ai échoué. Certains pensent que l'énergie thermique pure peut sauver l'humanité. Si nous pouvions trouver un moyen de la récolter, comme vous, en respectant sa nature, Nushi pourrait alors nourrir la Terre. Imaginez le nombre de vies sauvées. Vous êtes bien jeune. Vous rêvez comme un enfant, libre de toute perversion. Mais le respect n'est pas dans la nature de Nevek. Alors ils viendront forer. Et elle se défendra. Et si elle ne les détruit pas, c'est eux qui la détruiront. Ils videront cette planète de son sang. Et effaceront toute trace de vie. Chi.
Jim. Avant toute chose, Levec ne doit jamais connaître l'existence de Nushi. Gray, salut. Je m'en veux de t'avoir fait attendre, je le referai plus jamais. Je sais pas trop quoi dire, là. Ce boulot... c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais prévu. J'essaie de nous faire passer avant tout le reste, de faire comme on a dit, d'empocher le maximum et de revenir à la maison. J'essaie de faire de mon mieux, ce qui me semble logique. Mais parfois, je me demande... mais dans quel merdier je suis allé me fourrer? Moi aussi, je rêve de plage.
Ils ont déclaré la guerre. Il nous faut vos meilleurs chasseurs, de préférence ceux qui n'ont pas d'enfants. Ça va être sanglant. Et notre plan? Rassembler nos peuples, persuader mon père. C'est trop tard, Mira. C'est eux ou nous maintenant. Depuis des décennies, j'enseigne la paix à mon peuple. Et vous voudriez nous mener à la guerre? Les recherches de Roman m'ont mené à Nushi. Ne vexez tout maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Vos hommes, les ouvriers de Koronis, ils combattront à nos côtés? Je ne garantis rien. Peut-être si j'avais le temps d'expliquer qui vous êtes. Mais ça fait longtemps que je leur mens. Il vaut mieux les laisser hors de tout ça. Imaginons que nous réussissons. Ils appelleront des renforts et seront encore plus nombreux. Oui, il faut commencer par le relais. Tant que son croiseur est sur EDN3, Heisenberg a besoin de l'antenne relais pour communiquer avec la Terre. Alors on va le faire sauter. Ça, je sais faire. Si vous vous retournez contre vos maîtres, comment espérer revoir votre famille? Vous serez perdus ici. Nous n'allons pas détruire le croiseur, nous allons le piloter. Une fois l'emprise de Neuvec levée, nous pourrons choisir de partir ou rester. Et une fois partis, les hommes de Neuvec reviendront pour rechercher ce qu'ils ont perdu. Avant de détruire le relais, nous allons le pirater. L'utiliser pour envoyer un message. À mon avis, de quoi vous garantir 50 ans de plus. Le double coup du relais nous servira de diversion. Lorsque Heisenberg enverra ses troupes pour enquêter, vos forces détourneront le croiseur avant qu'il ne retourne dans l'espace. Nous serons prêts. Jim, je peux m'occuper des explosifs, mais je n'ai pas les talents de hacker. À cette étape, il nous faudra un peu d'aide. Je marche, d'accord. Vraiment? Mais je t'ai pas expliqué le... Ouais, bien, j'imagine que c'est en rapport avec la princesse des neiges avec qui tu traînes. C'est cool, ouais, je l'ai vu sur les vidéos de ton mecha. Je savais que... t'allais m'en parler au moment venu. Jim, je sais en qui croire, et je crois en toi. Je suis à tes ordres. Gail Holden, t'es un jeune homme formidable. On m'a jamais traité d'homme avant. Peut-être parce qu'on s'attendait à ce que tu dises ça. Ça y est? On doit y aller? Est-ce qu'on doit vraiment, genre, y aller? Tu sais, mec, on peut plus faire machine arrière après ça. Pense bien à régler toutes tes affaires, à tout améliorer. N'oublie vraiment rien avant le début de la fête. Attends un peu. Je dois encore terminer quelque chose. Ok, règle toutes tes petites histoires personnelles avant de déclarer la guerre à Neuvec. Et ensuite, tu viens me voir. Moi, je suis prêt pour le fight. Cool! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À la prochaine, chef! Quoi de neuf? On transporte jamais assez de grenades, si tu veux mon avis. Alors là, monsieur est un expert. Ce truc envoie des lignes directes et explose au contact. C'est bon, ça. Une bonne grosse puissance de feu, mais un recul plus important. Enfin, si tu veux mon avis, ça vaut la peine. À plus dans le bus!
Je te conseille pas de courir dans les couloirs, Jim. Les soldats sont à cran. En attente. Formidable! J'espère que les munitions spéciales vous ont été utiles. C'est après tout ma façon de vous payer. Thank you.
Donc ce que vous me dites, c'est que la navette Coronis de l'autre côté du hangar ne tombe pas dans le ravin grâce à ses amarres. La situation ici devient insupportable. Les temps sont durs. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont là. Peace.